On pourrait se croire dans un grand magasin au moment du rush des fêtes. Ici, il est bien question d'achat, mais nous sommes dans l'espace vente jouets d'Emmaüs Peltre. Et la présence importante d'acheteurs s'explique parfaitement. Et pourquoi Emmaüs ? Parce que c'est moins cher. Mais c'est extraordinaire ce qu'ils font. Hein. C'est extraordinaire parce que je connais la valeur des Playmobil. Et donc là, ils ont fait une reconstitution en très bon état pour un prix dérisoire. Hein. Des jouets de qualité pour tous et pas cher, le responsable adjoint de la communauté Emmaüs de Peltre confirme cette politique des prix bas. Alors ça, du coup, c'est une pyramide Playmobil du coup, qu'on peut retrouver dans le commerce dans un prix de 80 euros. Sauf qu'ici, du coup, on le vend 25 euros. Grosse différence. Très grosse différence. On va dire que la seule chose qui manque, c'est la boîte. Mais sinon, le jeu est quasiment complet. Pour proposer une telle qualité à un prix accessible à toutes les bourses, il faut deux conditions. L'une sociale, ne pas chercher le profit, mais la volonté de rendre service. L'autre, s'élabore ici, sur le quai de réception, où les familles qui se sont débarrassées des jouets qui remplissaient les greniers les ont rapportés à Emmaüs. C'est surtout que Noël, c'est les jouets. Et que du coup, c'est bien d'en avoir à proposer dans le magasin, qu'ils soient un petit peu en bon état, qu'ils soient contrôlés. Après la phase sélection, il y a la phase reconstruction. Que ce soit pour les jeux d'échecs, les Playmobil ou autres, un vrai travail de fourmi commence. Il manque une pièce, il manque un bonhomme, il manque le casque du bonhomme, la casquette, le magicien, les cheveux. Et donc on rajoute tout ça, on cherche les thèmes qui correspondent. Les petites épées, les petits légumes pour les petites filles dans les domaines de filles, et on cherche tout ça. Et ça permet de reconstituer une scène ? De reconstituer une scène, théoriquement presque à l'origine. Micheline, elle, s'occupe plus particulièrement des jeux d'échecs. 6, 8, 10. Reconstituer un jeu complet, propre, attractif et à prix bas, voilà sa mission. Je vais le mettre à 10 euros. Ceux qui jouent aux échecs, ils vont être heureux. Comme André, qui reconstitue ici les jeux de train. Une trentaine de bénévoles est à la manœuvre, aider des compagnons et des salariés en insertion. Emmaüs reste fidèle à sa mission, apporter soutien et joie.